bien, salut tout le monde, c'est Ryder, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec cet arrière-agresseur pour continuer cette carrière en saison régulière. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup beaucoup joué en stream en faisant cette carrière, donc n'hésitez pas à passer encore une fois regarder les lives. On a fait beaucoup de matchs, donc on a déjà fait la moitié de la saison, hein, je n'ai simulé aucun match. Donc on en est où? Stat et classement, stat équipe, regardez, nous sommes arrivés, on était à 6-6. Quand nous sommes arrivés chez les Bucks, nous sommes déjà à 46. Donc je fais énormément de matchs en stream. Et comme vous le savez maintenant, vous avez accès aux rediffusions si vous le souhaitez. Donc après, regardez 3 heures de rediffusion, des fois ça peut être un peu chiant. Bon, en tout cas, faites comme vous voulez, mais vous avez accès aux rediffusions, malheureusement, qui ont une mauvaise qualité de son, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Mes stats, elles sont à droite. Notamment, on a battu des records, je crois. On est pas mal dans les records, record NBA en termes de points, mais record d'équipe. Regardez, 61 points, 60, 56, 56. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe en stream. Il y a eu des grosses grosses actions, des 360 lay-up, des gros gros posters avec des animations spectaculaires où tu posters le mec, il était par terre et tout. On a posté tellement de personnes, Colin Stein, Paul George, etc. Ils se sont retrouvés par terre. Mais nous, dans cet épisode de carrière, eh bien, nous allons continuer comme ça pour cette vidéo. Donc c'est parti pour le premier match, les meilleures actions contre les Spurs. Et puis après, il y aura d'autres matchs, bien sûr. Allez, premier match de cet épisode contre les San Antonio Spurs. Allez, l'entre-deux. Et on va le gagner, cet entre-deux. Elle en demande ce ballon, on va demander un écran maker. On contourne cet écran, on regarde ce qui se passe. On va lui rendre à rat-terre. Ouh, c'était pas mal, hein. La belle passe à rat-terre là pour maker. Bien joué, speak and roll. Allez, on est dans le corner. On part à contre-pied encore une fois. Et le dunk, super. Oh, super interception, allez, on y va. Et le dunk. Oh, faut que j'ajoute le dunk 360 moulin avant. Faut que je rajoute le dunk parce que je ne l'ai pas. Oh, super ça. Oh, le dunk à l'arrêt. Et la bonne défense. Et nous, on va partir devant. On va la donner. Allez, hoop. Ah, je voulais un allez, hoop, moi. C'est pas grave, c'était quand même bien fait cette contre-attaque. On a bien combiné. Allez, on contourne. Allez, on y va. Oh, le N1. Oh, c'était contesté ça. Mais c'est la puissance de notre arrière agresseur. N'oubliez pas ça qu'au contact, il est capable de mettre des choses très compliquées. Avec tous les insignes Hall of Fame, les grosses stats. Et oui, il en est capable. On va passer derrière Antetokounmpo et Moss. On va demander ce ballon. Allez, on va le prendre, ce 3 points. Et c'est dedans. Nice. On n'a pas beaucoup, on a que 63. Bon, après, avec l'insigne catch and shooter, on a un tout petit peu plus, mais c'est quand même très peu. C'est pas des shoots qu'il faut prendre tout le temps avec un arrière agresseur. Allez, on a le rebond. Et le N1. Oh, super, on dirait notre pivot, hein. On est en train de jouer notre pivot. On va chercher l'air bon off et on va mettre le shoot derrière. J'ai un petit peu de mal avec le lancer franc, puisque j'ai récemment joué en ligne et forcément, avec la petite latence, on s'y habitue. Allez, on y va. Le reverse. Doom. Boum boum boum. Pourquoi j'ai dit Doom? Pourquoi Doom? J'ai pas fait exprès. On va demander ce ballon. On va demander un écran à Giannis. Allez, on contourne cet écran. Et on y va. On y va. Ouh. Ouah, ce dunk, il est tellement athlétique. Avec le ballon, on la met sous les fesses quasiment. Allez. La passe. La claquette. Oh, la claquette windmill. Oh, oh, la claquette moulin avant. Oh, l'extra, oh, elle était ouf. Oh, elle était ouf. Oh, yo, 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 yo. Oh là 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 là. Alors là, j'ai vu, là j'ai cru qu'il allait faire un dunk à deux mains. Tu vois, là je mais non. Une claquette moulin avant. Pouh. Ah, ça c'est beau ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, faut regarder ça sous plusieurs angles, hein, vous le savez. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh, oh, franchement, bien joué. Allez, on va la demander. On part dans son dos et on y va. N1 encore une fois. Oh là là, mais on fait tout le temps des N1. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, on en fait plein. C'est là. En fait, vous voyez, on met pas forcément beaucoup de 3 points avec un arrière agresseur, mais on met beaucoup de plus 1. Du coup, c'est comme si on mettait des 3 points finalement. Allez, on est au rebond. On envoie devant là pour Giannis qui est bien parti en contre-attaque. Et c'est bien joué.
Là, il en demande ce ballon. Allez, on donne un coup d'accélération. On y va. Peut-être un poster. Ouh, le poster sur Pogazol. Alors, c'est pas une animation de poster, mais c'est quand même un poster. Puisqu'il est en dessous du panier, quoi. Il est sur la photo. Allez, coup d'accélération. Ouh. Oh, le contre. Sur. Oh, attends, faut qu'il y ait un dunk derrière. Ou s'il y a un contre et un poster là. Ouh. Ouh, c'était beau. C'était beau. Contre-attaque, poster sur Pogazol. Même si encore une fois c'était pas une animation de dunk après contact, ça reste un posterize. Oh ce contre. Oh le ballon il est resté coincé dans la tête là. Oh je fais l'animal en plus. On a fait un très beau match, 44 points, 16 rebonds, 7 passes, 2 contre. Alors voici les stats à droite, donc 17 sur 26 au tir, une inter de compte, ça on a dit, 9 sur 9 lancé franc. J'ai raté quasi tous mes shoots, j'ai raté quasiment tous mes tirs en suspension, même ceux ouverts. Mais c'est à cause de mon timing qui était mauvais. Allez, nous on se retrouve pour le prochain match les gars, je ne sais pas c'est contre qui. Allez, on enchaîne tout de suite contre... Merde, c'est contre qui déjà? Putain, je viens d'oublier. J'ai lancé le match, je sais même plus c'est contre qui. C'est contre les Timberwolves. Allez, go leur casser la gueule, 41-6. Hein. Pff, oh là là, on va finir la saison avec 6 défaites seulement. Allez, l'entre-deux. Entre Maker et Towns. Ah, Maker, il est plus fort que Towns, on le sait tous. Allez, on va demander ce ballon. Maker. Viens poser un écran, mon Maker. Parce que moi, je t'aime bien, Maker. C'est... Allez, on contourne l'écran, on regarde ce qui se passe. C'est à nous d'y aller. Et boum. J'aime bien. Qui était là l'an passé, ceux qui m'ont suivi l'an passé avec mon ailier, je sais plus quoi d'ailleurs, intérieur je crois. Eh bien je commençais souvent les matchs par un dunk, donc si ça fait pareil c'est marrant. Allez, on va faire une petite tactique. On va dans le corner. Ah, faut qu'une galette donne. Allez, on va le prendre. Oh, c'est dedans, malgré le timing manqué. Allez, on est au rebond. On avance, on regarde ce qui se passe. Maker qui est tout seul à droite, on lui fait. Il va prendre ce shoot. Et c'est dedans, voilà, on a fait le meilleur choix que possible. On y va là. La passe pour Jabari. Oh, c'est bien fait. Oh, l'interception, c'est bien joué ça. Et nous on est là. On est là. Et le dunk. Oh, il est magnifique ce dunk là. Alors j'ai fait une très 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 mauvaise première mi-temps en termes de choix de tir. Là j'étais à 2 sur 8 à la première mi-temps. Avec ce tir ça fait 3 sur 9. Mais oh, c'était pas bon. On se fait défoncer. Allez, je vais allumer la machine parce que ça va pas là. Allez, on commence là. On se fait défoncer. J'ai fait une première mi-temps mais dégueulasse. Je crois que c'est la pire première mi-temps que j'ai faite depuis que j'ai créé mon arrière agresseur. Mais là on va se rattraper maintenant, on n'a pas le choix. Allez, on y va. Le N1. Nice, super. Allez, ça part de là. Oh, il nous empêchait de faire des pompes. Ah non, c'est bon. On peut faire les pompes, ça part de là. 14 points de retard. Si on met ça en ses francs, bien sûr. Allez, faut remonter. On va porter notre équipe comme un vrai franchise player. On le fait depuis le début de la saison. Si on perd, à la limite, c'est pas grave. Mais on veut pas perdre, nous. Ah, super l'interception. Voilà, on se venge. Et on y va. On y va. J'allais dire le 3-6, mais non, le reverse. Viens, Maker. On a besoin de toi. N1, super. Allez, les pompes. Vous voyez, on met des 3 points. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met des 3 points avec des N1, nous. Allez, le petit lancer franc, c'est dedans. Allez, reverse, super. Allez, c'est super, ça. Allez, Jabari, viens me poser un écran. J'ai besoin de toi, là. On contourne cet écran. Et on va lui rendre un alley-oop. Super. Ah, ils ont perdu Karl Anthony Towns qui se fait kick. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Plus de Towns, kick à la fin de ce troisième carton. Et du coup pour le 4, il y a énormément de fautes dans ce match. Franchement ça m'a rendu fou de chaque côté, mais le nombre de fautes qu'il y a eu, c'était insupportable. On nous remplace et on revient. On nous a remplacé pendant quasiment tout le quatrième carton. Ça va, on a que 3 points de retard. Ça aurait pu être pire. Ça se trouve, il serait repassé. Oh, il y a Maker qui est tout seul à 3 points. Et moi, j'ai mis du temps à réagir. Et le 3 points de Maker. Et on revient à égalité. C'était un pari osé de nous mettre sur le banc pour ce début du quatrième quart-temps. Mais c'est aussi intéressant parce que maintenant, on est tout frais. Et pour la fin du quatrième quart-temps, on va être très important.
Mais je suis content que mon équipe n'ait pas pris des points dans la gueule. Ils sont restés à 3 points. Voilà, c'est super. Et maintenant, on est à égalité. Allez, c'est défendu. On part en contre-attaque. Et là, allez, là, on y va. Boum, super. Allez, on les laisse pas se placer. On y va. Boum. Allez, on fait tomber le chrono. Livingstone. Sous le panier. Et boum. Oh, notre joueur, il est parti dans le vent après le dunk. Ouh là là, ce match il était très compliqué, j'ai tiré énormément de lancers francs, 50 points, 8 rebonds, 9 passes, 2 inter, 15 sur 24 au tir, on a bien remonté le pourcentage de réussite au tir, mais au début j'ai eu beaucoup de mal, 19 lancers francs tirés, 19 réussis, 1 sur 2 ou 3 points, 25 minutes et 6 ballons perdus, c'est un petit peu le bémol, après voilà on a gagné le match, c'est le plus important, et nous on se retrouve pour le suivant. Allez c'est parti, cette fois-ci nous affrontons les Nets de Brooklyn. C'est pas une équipe très très forte. Ouais, ils ont pas un bilan dégueulasse vu leur effectif. Après dans la carrière les effectifs ont énormément bougé comme vous l'avez remarqué. Je ne sais pas de quel joueur ils sont composés du coup. Allez l'entre deux. Allez Maker. Maker il gagne tous ses entre deux, il est fort hein. Allez où. Nice, bien joué ça. J'ai eu du mal à me déplacer mais j'ai retrouvé le chemin grâce à vous. Allez, vite, on va demander à l'écran à Maker. Allez, viens, Maker. Viens, mon frère. On lui refait un pick and pop. Voilà, c'est bien joué. Le petit pick and pop, le pick and fade. C'est la même chose. Je vais laisser le ralenti. Voilà, petit ralenti comme ça. Allez. N1, super. N1. Faudrait que je change l'animation de temps en temps. Mais je mets toujours un coup de joystick vers la droite. C'est pour ça que je fais tout le temps celle-là. Alors que j'en ai d'autres. Allez, le contre. Ah, il voulait marquer sur notre tête comme ça. Non, monsieur. Non. Allez, on part devant. Et ça, ça peut poster, les gars. Ça peut poster, ça, vous le savez, mais oui. Le poster. Sur Ollis Jefferson. Ah, quand il est placé comme ça, souvent, ça passe. Oh, oh, le poster sur Brook Lopez. Oh, celui-là, il est beau. Oh, comment il a reculé. Attendez, faut mettre un ralenti. Regardez-moi ça. Au ralenti. Attends, on va mettre vitesse normale. Oh. Au ralenti, c'est épique. Attendez, parce que ma manette déconne un peu. Regardez au ralenti. La tête de Brook Lopez. Regardez bien Brook Lopez. Oh, oh. Ah là, il a vu la puissance de mon agresseur. Là, hein. En pleine face. Brook Lopez. Oh là là, le pauvre. Ah bah regardez le ballon, je dois le perdre hein. Le ballon il va dans les fesses de Jabari Parker. Après même mes mains hein. Donc c'est con qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de collisions entre les coéquipiers. Ça rendrait le jeu plus réaliste. Mais le poster est magnifique en tout cas. Allez. Ça peut partir au poster. Mais oui le poster. Allez c'est le troisième de ce match là le poster. Le plus beau était le deuxième. Celui sur Brook Lopez. Voilà youp. Ah oh oui, la layoop sur la remise en jeu. Ah c'était sympa, j'ai bien aimé. Oh le poster sur Millsap. Oh mon petit Millsap. Je l'appelle Millsap moi, Millsap. J'aime bien. Allez, pour rigoler. Allez super, on l'a mis. On a voulu rajouter 2 points à notre compteur. Et le match va se terminer du coup. Le match va se terminer. Voilà, bon match encore une fois, 42 points, 6 passes, 6 rebonds, 1 contre 2 inter, 13 sur 15 au tir, donc c'est plus propre, 16 sur 16 de lancers francs, je tire beaucoup de lancers francs en ce moment, en 25 minutes de jeu, 3 ballons perdus, mais avec 2 inter, on va en dire que ça fait 3 ballons perdus moins 2 inter, égale plus qu'un ballon perdu, on est d'accord, allez nous on passe au prochain match les gars, allez ça sera le dernier match de cet épisode, face à Miami, et en espérant gagner, et en espérant qu'il y ait des grosses actions. On verra bien, de toute façon c'est situationnel tout ça. Allez Maker, est-ce que tu peux encore le faire? Cette fois-ci c'est contre Hassan Whiteside. Ça ne va pas être facile Maker. Allez Maker. Allez Maker. Oh Maker il est trop fort. Allez viens là mon Maker. T'es tellement fort que t'es tellement fort. Allez. Allez où pour Maker? Eh oui Maker, c'est bien ça mon coco. On va laisser le ralenti là pour cette belle première action. Oh super le contre. Allez nous on est devant. Et ça vous savez que dans des positions comme ça. Oh 3-6.
Le 3-6-N1! Mais ça sera pas nous qui va tirer le lancer franc, puisqu'il y a eu faute sur Maker et non sur nous. Mais on a mis le 3-6, le 360 layup. C'était joli, c'était joli. Allez. Allez, c'est bien ça. Oh, le poster sur Goran Dragic! Oh, il est beau. Oh, il est beau. Magnifique cross entre les jambes. Et puis après, le poster sur Dragic. Magnifique. Oh, super. Super. Oh, il y a moyen de faire un truc, là. N1. Oh, c'était compliqué, hein, franchement. C'était pas forcément le meilleur choix à faire sur le coup. Je pense qu'il y avait d'autres solutions un peu plus... meilleures, quoi, tout simplement. Mais bon, c'est passé. Allez, on peut passer. On peut passer. Oh, le rebond. Oh, timing vert. Oh, on s'en sort tellement bien. Bon, oh, on voit encore le timing en faisant les pompes. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Allez, le lancer franc. Et you. Oh, l'inter. Allez, allez. Oh, and one. Oh là là, mais on en fait tellement d'N1, je vous dis. Ah, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Hein. Nous, on met les 3 points comme ça, nous. On tire pas la ligne des 3 points, on met des N1. Oh, on est passé. Ouh. Bon, on est parti vite là. Oh, oh, oh. On a passé JR Smith et on est monté très très vite au dunk. Playmaker. Ah, bien joué, Maker. Avec la petite passe à l'aveugle. Youp. Oh, 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 je le sentais tellement bien. Oh, je voyais bien venir ce poster sur Nicholson. Oh, on aime bien mettre des coups de coude dans la tête, nous, hein. Putain, la vache, il était magnifique. Il ralentit quand même. Quand il y a un gros poster, ralentit, les gars. C'est toujours comme ça. Regardez. Oh, mais le coup. Le coude dans la tête, encore une fois. Attendez, est-ce que mon joystick qui déconne grave. Oh, 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 caméra de côté, caméra de côté. Allez. Oh, ah, c'est tellement violent. En caméra de côté, c'est tellement magnifique. Oh, l'insigne est parti en argent. Quelqu'un, l'insigne défenseur infranchissable. En or en face. Oh, oh, on va leur remonter vite le ballon. Et le move à John Wall. Magnifique double pas. Allez. Oh, le poster sur J.R. Smith. Prends ça dans ta gueule. Prends ça dans ta gueule. Oh, pardon, excusez-moi, les fans de J.R. Smith. Oh, il était beau celui-là. Oh, celui-là, il était beau aussi. Là, au contact et. Oh, oh là 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 là. Ça, c'est une magnificence. Magnificence. Ça veut rien dire, mais j'en fous. Allez, hop. Petit ralenti. Oh, mais quand tu écrases un joueur comme ça, ça fait tellement plaisir. Oh, l'interception, super. Un petit self alley-oop ou quoi. Et. Boum. Allez, la passe pour Felder. Oh, c'est magnifique. Il va y avoir un ralenti. Même pas. Oh, il n'y a même pas de ralenti pour ma passe. Encore une inter. Voilà, encore une inter sur John. Et on va y aller. On va y aller. Boum. J'avais pas confiance en Felder. D'ailleurs, j'ai fait la passe. C'est fait contrer tellement qu'il est petit. Allez. Oh, le gros dunk. Oh, il était magnifique. Ou la claquette. Oh, la petite claquette layup, c'était mignon. Mais oui. Allez, une dernière action pour le plaisir. Oui. Oh, le re-step. Oh, la petite dernière action pour le plaisir. C'était beau. C'était acrobatique. C'était beau. C'était magnifique. Et du coup, le match est terminé. Voilà. 57 points, 12 rebonds, 7 passes, 0 contre, 4 interceptions. 21 sur 33 au tir, on a beaucoup tiré. J'ai quand même croqué de temps en temps, mais vous l'avez pas forcément vu. Chut. 15 sur 15 au lancer franc, on tire beaucoup de lancers francs comme d'habitude. En 29 minutes, on joue un peu plus de temps que d'habitude aussi sur ce coup-là. 3 ballons perdus, mais comme on a 4 interceptions, voilà, on rattrape 2 ballons perdus. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Aimez la vidéo, partagez, ça fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne d'évoluer. Et mettez un commentaire si vous avez envie de dire quelque chose ou me poser une question. Donc voilà, merci les gars de me soutenir chaque jour et on se retrouve bientôt en live ou dans une prochaine vidéo. Tchuss !